professeurs et autres. Donc, grosso modo, le bilan est très positif. Par rapport à l'année dernière, nous avons augmenté de 30% le taux de dépistage. Donc, l'année dernière, ici, au village du Cœur, nous avions dépisté 4500 personnes. Nous sommes à 5500 personnes dépistées en deux jours. C'est énorme. Nous prenons en compte les dépistages qui ne sont pas dans les régions. Si nous pouvons ensemble les dépistages au niveau des régions, nous sommes à 8000 personnes dépistées, 8 à 10 000. Pour moi, cette semaine du cœur qui s'achève. Et pour ce qui concerne la formation, nous avons pu former à Douala et à Yaoundé 1000 sauveteurs. Donc actuellement, on a formé, par rapport à l'année dernière, on avait formé 605 personnes. Cette année, on a formé 1000 personnes capables de réanimer les gens qui tombent pour la mort subite et font un arrêt cardiaque. Partout à Douala et à Yaoundé, et même dans les régions, ces formations se poursuivent. En termes de marche, vous avez pu le constater ce matin, on a mobilisé plus de 5000 personnes, donc c'est quand même considérable. Et à Douala demain, on attend également une mobilisation formidable de la marche du peuple prévue à Douala. Dans l'ensemble des régions, les agricultures coadiennes disent qu'à Garoua, à Bafoussam, à Maroua, il y a plus de 1000 personnes qui sont en train d'effectuer la marche, ce qui est quand même assez positif. Et nous remercions bien sûr les journalistes qui ont participé activement à cette initiative. Il y a eu une formation de réanimation cardiaque pour les journalistes. Il y a eu des études, une centaine, et ils ont très bien appris la manœuvre parce que les gens sont souvent en contact avec la foule. Ils peuvent être les premiers secouristes s'ils sont les premiers sur les lieux des drames. Ils peuvent sauver énormément de vies humaines. Donc vraiment tout le monde est impliqué, les femmes, les hommes, les enfants. C'est formidable cette mobilisation qui va crescendo. C'est la preuve que le message passe. Je voudrais aussi remercier le partenaire stratégique Grèce-Lin et le gouvernement. Ce soutien inestimable dont nous avons besoin pour aider la population à vivre dans le temps d'un besoin.